Good morning! Allez, Yidan, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat Richard de Benfortune de Mazal, Glody Strike Benfortune de Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah, connectée à 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Bessaper et Gimel Mishnah Bet Mitsudot Chaya Va'of. Vedagim, Shasan Merev Yom Tov, Loitol Mehen Be Yom Tov, Elaimken Yodea Shenitsudu Me'erev Yom Tov, Umase Benoch Ri Echad, Shehevi Dagim Neraban Gamliel Ve'amar, Motarim Hen. Et la chaîne résonne les kabel hemenu. On commence à traduire directement une Mishnah qui n'a pas vraiment de rapport avec la Mishnah précédente, si ce n'est le fait qu'on continue à parler des animaux qui se font capturer pendant Yom Tov. La Mishnah précédente, elle s'intéresse à me dire de, quand ils sont déjà dans l'enclos, comment tu peux les prendre. Et puis à présent, la Mishnah m'enseigne que Metsudot Chaya Va'of Vedagim. Les pièges pour les animaux sauvages, pour les volaille ou pour les poissons. Shasaran Me'erev Yom Tov, qui les a placés, il les a fait, il les a mis, il les a camouflés depuis avant Yom Tov, et puis il arrive le lendemain à Yom Tov et il voit qu'il y a eu un cerf qui s'est attrapé dans le super piège qu'il a fait. Il avait fait un piège pour de manière à ce que le cerf va tomber, et puis ça, il a fait ça depuis le vendredi matin par exemple. Du coup, il s'est préparé pendant tout Yom Tov, enfin, depuis la veille de vendredi, c'est Shabbat. Disons, Yom Tov, c'était le mardi soir, donc il a fait ça depuis le mardi matin. Il a préparé ce piège, il est parti vaquer à toutes ses occupations, se préparer Yom Tov. Le soir de Yom Tov, il fait sa tefila, il fait son kiddush, il va dormir. Le lendemain matin, il passe à côté du piège, il voit qu'il y a un cerf qui est dedans. Et du coup, alors la Mishnah me dit, ben, Loitol Mehen Me Yom Tov, tu ne pourras pas le prendre pour toi pendant Yom Tov. Et là, imken yodea shinitsodu me'er Yom Tov. Sauf si tu sais pertinemment qu'il a été piégé depuis avant Yom Tov. C'est-à-dire si depuis le vendredi après-midi, en fait, le mardi après-midi, tu sais qu'il y a eu déjà le cerf qui a certainement, sûr et certain, qui a été déjà capturé. Alors là, tu as le droit de prendre le lendemain. Sinon, tu n'auras pas le droit. C'est un problème de mouktsé. Il y a spécialement Yom Tov, on en parle très fréquemment dans le Mishnah, déjà vous avez déjà remarqué, l'interdit de Mouksa à Yom Tov, il est encore même plus strict qu'à Shabbat. Mouksa s'est déplacé un objet qui n'était pas, en l'occurrence un objet qui n'était pas prévu à son utilisation, parce qu'il n'était pas encore en ta possession. D'accord? Donc c'est comme un peu un olad, c'est quelque chose qui vient de naître dans le cercle des objets que tu pourrais utiliser, des choses que tu pourrais déplacer. Du coup, s'il n'a pas été capturé depuis avant Yom Tov, alors il est comme un olad, comme si quelque chose que de nouveau-né, que c'est comme depuis la bêtise de Yom Tov, un interdit de moukté. D'accord? Par contre, alors il y a deux cas de figure. Il y a ça, trois cas. Il y a la première extrémité, c'est quand tu sais qu'il n'a pas été piégé, ou que tu sais qu'il a été piégé. Si elle a été piégée avant Yom Tov, tu as le droit de le prendre. Si elle n'a pas été piégée avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de le prendre. Qu'est-ce qui se passe dans le doute? Là, c'est un peu délicat. Alors, on a Mishnah qui a vraisemblablement commencé à parler du sujet, puisqu'elle a dit que qu'il faut que nécessairement que tu saches que ça a été piégé depuis avant Yom Tov pour que tu puisses le manger. Donc, dans le doute, tu n'auras pas le droit de le faire. Mais du coup, en fait, on a la suite de la Mishnah qui va se contredire. Umase benochri echad. Il y a eu une histoire avec un goy, un ochri, c'est un goy, chez Vidagim le Rabban Gamliel, que à Yom Tov, il a porté des poissons à Rabban Gamliel. Et on ne savait pas en fait, est-ce que le goy il est parti les piéger depuis le matin de Yom Tov, ou depuis la veille, qu'ils étaient déjà chez lui, qu'il a traîné pour les apporter. Parce que s'il est parti les chercher pendant Yom Tov, alors de nouveau ils sont mouktsés. Même si on habite en bord de mer et que les poissons ils sont mouktsés, s'ils n'ont pas été désignés, prévus d'être pris pendant la fête. D'accord? Donc du coup, ils sont faits. Et bien la Mishnah me dit, va Amar, Rabban Gamliel, il a rétorqué quoi? Moutarinen, ils sont permis, on a le droit de les consommer. Seulement quoi? Et la chaîne Retsoni les Kabbalah. Mais non, c'est juste, j'ai pas envie de recevoir un cadeau de ce goy, comme il rapporte le Tifert Israël, le Barthénois, s'il le dit. C'était quelqu'un qui faisait des misères à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel préférait être en mauvais termes francs. Ouais. Shaya Sono, il dit. Je le hais. Je préfère qu'on soit bien clair que lui, c'est lui, moi, c'est moi. On n'a pas de rapport entre nous. Donc il commence à me faire des cadeaux, puis demain, il va commencer à me demander autre chose. Enfin, ce qui nous intéresse pour notre histoire, c'est que Rabban Gamliel, il a permis de le faire. Et là, en fait, elle explique qu'en réalité, il y a une discussion entre le premier avis et le deuxième avis.
de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nous dit, tant que tu n'es pas sûr et certain que ça a été piégé depuis, capturé depuis avant la fête, à 100%, eh ben, tu n'auras pas le droit de le prendre même dans le doute. Parce que dans le doute, on ne va pas dire que ça fait que des Rabbanan Nakula, même si de manière générale on dit toujours que ça fait que des Rabbanan Nakula. Quand tu as un doute sur une halakha qui est des Rabbanan, est-ce que c'est pas un interdit? Pour le Moussé ici, pour le Nolad, ils ont été Mahmirim. Et Rabban Gamliel, lui, il a dit, ben non, c'est permis, dans le doute. D'accord? Il y a maintenant le Bartanura qui rapporte plusieurs halakha, halakhot sur le sujet, c'est en fait une petite synthèse de la Gemara, qui nous dit donc tout d'abord, si on a un doute, est-ce que ça a été capturé pendant Yom Tov ou avant Yom Tov, Tanakama nous dit que ça sourd, l'halakha est établie comme lui. Ça, c'est premièrement. Si toutefois, on constate, on a des signes que l'objet, que la chose a été cueillie depuis avant Yom Tov, le poisson, il est relativement sec, on voit qu'il date d'hier, je sais pas comment. Il y a des fruits, le même principe aussi, si vous avez des fruits que vous craignez qu'il les accueille pendant Yom Tov, vous n'avez pas le droit de les prendre, parce que pendant Yom Tov, vous ne pouvez pas les prendre. C'est comme un nolad, donc du fait, comme un nolad, comme l'interdit de Moukse, de nolad, quelque chose qui vient de naître, donc vous n'avez pas le droit de toucher à ces fruits. Sauf si maintenant tu vois que les fruits, ils sont plus frais, comme s'ils viennent d'être pris de l'arbre, apparemment, quand ceux qui connaissent la situation, ils vont voir, ils peuvent voir que le fruit date d'hier. Et à part ça aussi, tout ce que le goy peut t'apporter et que dans le doute tu pourras permettre, c'est dans le doute tu peux permettre parce que tu vas supposer que ça t'est pris depuis hier, c'est que à condition qu'il ne vienne pas d'en dehors de la ville. Parce que s'il vient dehors de la ville, il y a un interdit de Troum pendant Shabbat et Yom Tov, un interdit de sortir au-delà des 2000 amas de l'extérieur de la ville. Donc tout ce qui se trouve à l'extérieur là-bas, hein, il n'est plus prévu à ton utilisation aussi. De nouveau, on aura le même problème avec Moussé. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atslacha, Kol Tov, Salam.